Comment nous y a tout le monde? En forme, bon bagay. Donc, je dis à la, nous venons avec quelques boss bar, ou bien ou le distribution block, bloc de distribution, ok? Et nous venons à trois variétés, mais on paquet là-dedans, c'est-à-dire, nous-mêmes, automatiquement, nous commençons à chercher une, parce qu'il y a quelques moteurs de recherche, de pouvoir chercher un bagay, et puis les bons, l'autre qui est similaire. Donc, nous avons un paquet de variétés là-dedans, juste vérifier l'ampérage, très important, ok? Et bon, on a commencé avec ça parce que nous avons acheté pour le travail que nous avons fait dernièrement et sur Inverter. Je vais mettre la dernière vidéo à vous. Côté que nous avons converti ça, ok? Nous allons au Boss Bar couramment, Boss Bar ou bien Distribution Block, ok? Et ça a tout gagné protection là-dedans, juste pour le fin. Je vais monter tout à l'heure, je vais rentrer dans plus de détails. Pour fin placer et puis pour ne pas gagner et. D'Acadie, partie métallique qui est exposée pour t'allumer du feu. Ça a tout un cover en plastique qui protège les. Même l'on va être tombé sous l'île, ok, mais comme on le présentait, boss bar. Ça lié, généralement fait en cuivre, même si vous soufflez nickel sur des fois, mais généralement fait en cuivre, hein, pour vous résister et pour vous conduire maximum de courant possible. Ça, c'est un 250 ampères lié, les câbles protègent jusqu'à 250 ampères. Utilisation, pour qui ça? C'est là où il y a plusieurs câbles, par exemple, pour mener en côté. On n'est pas obligé de faire chaque grain de câble saute bien loin de l'IV côté. On prend le cas si nous avons gagné 3 charges contrôlées. C'est-à-dire que nous avons fait l'arrangement. Nous avons un négatif, un positif. Hein? Un positif, un négatif. Ok, il a toujours marché comme ça. Sous raison de grain. Donc, on va mettre un grain, mais Wall-Lil prend plusieurs connexions et le mettre ensemble. Il y a quelques. Nous parlons d'un qui est simple, qui est un petit simple, qui prend qui est seul là et pour juste ajouter l'un sous l'autre. Donc, mais là, tu fais le même travail là. Il y a un ampérage, il ne faut pas dépasser l'ampérage. Parce que dépasser l'ampérage, c'est synonyme à qui ça? Perte en quelque sorte. Ou bien tout les mains du feu. Quand il y a les mains du feu, puis devant la dedans. Sinon, vous faites plus négligent. Donc, ok? Et c'est comme ça le présenter. Donc, c'est-à-dire, le fin, c'est simple, hein? Très simple. Au fin, prendre un câble, si nous avons 3 régulateurs, 3, nous prenons 3 négatifs, par exemple, nous mettons là, et puis une visselle, ok? Mais ça va y avoir un wacheur, mon wacheur, et puis le bon là. Ok, tout ça. Yo. Donc c'est pour ça que nous placons, ok, câble noir, terminal là, et puis nous mettons le washer, et puis nous mettons la clan, et puis après une visselle pour le câble serré, pour le câble dévisser pour monter, ok. Et puis l'autre, là, lui-même, la menel, la batterie, par exemple. Si met, mais nous pouvons utiliser pour l'autre bail, parce que ça, moi, je ne vais pas l'utiliser, c'est une petite pipi. Alors ça, me dit non, les 250 ampères, hein, nous parlons. Mettre ça de côté pour un petit temps. Et puis, ça lui-même, c'est l'aime d'avoir l'utilisé l'autre jour. Et pour qui ça m'a pas l'utilisé? M'a pas l'utilisé pour me prendre le câble qui t'a sorti dans l'inverteur. Après, m'a pas utilisé le câble 4.0. Mais après, m'a pas l'obligé de couper le câble 4.0. Sinon, que m'a pas trop d'espace pour me utiliser tout le câble. M'a pas le couper sans que m'a pas besoin de servir avec elle. Donc, et puis, m'a dit, ok, on give up. Mais comment lier lui-même? Ça, il est très pratique parce que c'est bon pour le travail que m'a fait. Aïe 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 aïe. Bon, je vais aller. Je voulais vous mettre des armes sur lui. Ok, je vais vous montrer comment le présenter lui-même. Ok, ça sont le. Alors, même travail à fait, mais lui-même, il y a l'autre possibilité pour mettre un câble, pour convertir un câble qui est plus fin. Et. Yep. Avant de toujours mettre là, on ne va pas faire du plastique. Et puis, songez, nous n'avons pas de soleil. Nous, là, tout le monde dit, oh, nous n'avons pas de soleil, nous pensons que nous n'avons pas de soleil. Donc, je dis dans la vidéo, je dis, c'est une simulation de panneau soleil. Nous utilisons comme panneau soleil. Donc, ok. Et ça, carry, ça a porté 150 ampères. Yes, ça a porté 150 ampères. Et 150 ampères, là, on a qui ça? Il n'a pas porté dans toute bagaille, il a porté dans ça, ça a plus. Pour détacher les mêmes, les entrer en. Ok? Même bas là, il fait toute une pièce. C'est-à-dire deux boss bars tachés sous même plastique là. Pour bien deux grains de vis seulement qui parlent et qui ok? Alors que ça, les mêmes, bien quatre, bien deux pour ça, deux pour ça. Tout différent. Hein? Tout différent. Il y a plusieurs styles encore. Ok? Donc boss bar ou bien distribution block. Songez ça. Et puis, yeah, comme d'hab dit non? Ça lui-même, mes côtés n'a pas vissé, n'a pas ajusté sur le bord là, ou bien sur mes côtés n'a pas mis là. Et puis, restant, la prend
l'autre petit terminal, c'est-à-dire vous montrer non donc on a par exemple gagné un cap Gibigo là et que on a converti en l'autre par exemple si on prend plusieurs autres petits câbles suivant 1500. OK, c'est-à-dire nous cap besoin plusieurs petits régulateurs, nous gagne plusieurs câbles qui en série venir c'est fil 14 et puis ça c'est fil 12. Et puis nous gagne terminal qui venir comme ça et puis nous juste visser mais là on a mené le batterie par exemple. Si la pote, admettons chaque tapote 15 ampères. OK. Donc on a bon exemple hein. Hop hop hop. OK. C'est là. Pas. OK, par okay. Exemple, comme ça le vini. Et puis nous avons plusieurs qui a additionnel et puis si chaque tag 15 ampères par exemple, et puis ça va le ba nous on 80 ampères la sortie ou bien la ba 100 ampères parce que il capote jusqu'à 150 ampères sont ça. Et puis là, on a pas ajouté un plus gros câble qui était dans un câble 2 ou bien on dit un bon câble 4 que nous gagnons dans boîte là. OK, c'est-à-dire nous prenons tout 15 ampères qui t'a venu dans plusieurs régulateurs, nous prenons tout positif sur André là par exemple, visé là 15 ampères, 15 ampères, 15 ampères puis ça par exemple t'a porté on dit 80 ampères à la sortie ou bien 100 ampères. Et puis nous venons mettre là. OK. Songez, il faut que nous et pas alimenter, faut un breaker, tout breaker nous toujours ouvert juste pour nous faire toute connexion et puis nous t'a mettre tout négatif par rapport ici par exemple et puis mener deux câbles. Aljoindre, ça sont options, hein. Aljoindre batterie, nous, par exemple. OK? Donc, il y a l'autre option toujours que nous avons considéré. Mais, ça a porté 150 ampères et puis, nous avons l'autre style lui-même. Qui c'est? Nous avons l'autre style qui c'est ça lui-même. OK? Ça lui-même, c'est comme ça le présenter. Mais, si vous avez plusieurs câbles qui sont entrés, vous juste mettre une sous l'autre. Alors, toujours quitter ton vis par en bas, hein. Bien taché en bas. Et puis, on met la création en haut net. On met la net. Là, ok, on met 1, 2, 3, plusieurs sous lit. Ça peut jusqu'à 162 ampères. Ok? Et puis après ça, on vient finir comme ça. Donc, c'est style ça, nous voyons aujourd'hui là. Donc, mais comment l'utilisation est? Et puis, par exemple, si vous avez utilisé plusieurs gros. Gros bout de tonton ampérage. Donc ça lui-même lui juste permet de mettre en parallèle. Cela y a plusieurs câbles, ok? Si vous avez gros ampérage avec ça comme ça, vous dévissez même travail là, ok? Et vous mettez câble, mettez câble, mettez câble, et puis vous pouvez le batterie. Ça peut être 250 ampères, songez ça, ok? Ça peut être 150 et puis ça 162 ampères. Donc, bon, je tout le temps parce que il y a quelques monde qui dit tout le temps parlons de bagarre, juste courir sur vous, parler de vous à la va vite. Donc, il faut me prendre plus de temps pour me détailler. Donc, ça, c'est boss bar, ok? Songez ça. Oh, oui. Et puis, l'un fini, par exemple. Ok, pour ça, que nous avons utilisé. Suivant qui compte fait câble passé, ouais, ça a une bonne possibilité pour faire. Alors, il faut bien dresser le câble. Amen. On prend un positif, hein? C'est positif, nous. Ok, nous faisons ça, on rentre là, pour nous couvrir, pour éviter des agréments par la suite. Hein? Ok? Donc, on a vérifié la partie positive, là, comment elle paraît, et comment ça apparaît. Et puis, on a bon câble, tout dépend de vous, ok? Vous mettez tout le reste câble là. Donc, c'est comme ça apparaît, souvent, ok? Donc, dans quelques applications, nous avons pour utiliser, pas inquiétez, non? Puis, devant, nous avons l'utilisation vraiment. Mais, si vous avez plusieurs bagages, vous avez besoin de mettre en parallèle, côté que vous n'êtes pas obligé. Par exemple, si nous mettez deux chargements de données en parallèle, nous n'êtes pas obligé de faire filer, courir, sauter depuis. Dans... Alors, tout dépend. Tout dépend de qui côté régulateur nous placé, chargement de données placé. Nous pas obligé d'utiliser au fil, mais il faut nous faire un bon contrôle. Tout ça nous met en parallèle. Et en parallèle, certes, si ça a porté 15 ampères par exemple, ok, 15 ampères. Mais ça lui-même, il faut nous garantir que la portée totale ampérage, tout ça qu'a ajouté, plus la quitter pour fuse. C'est-à-dire, ampérage fuse la supérieur total ça. Et puis, lui-même tout la supérieur ampérage fuse. Il faut nous faire d'autres calculs ça, oui. C'est pas juste vous remonter. Nous on est pas fait dans vous remonter, OK?
Donc, c'était ça me déposer pour nous aujourd'hui. Et nous avons dit de brancher, nous avons une vidéo pour nous faire, et surtout avec le régulateur, et puis pour nous vérifier le courant, la qualité du courant. Dans la semaine, nous avons créé le temps pour nous faire ça, si Dieu veut. Okay? Nous avons dit tout le monde qui est là, bon bagaille, à la prochaine. En forme, en forme.